est prêt. Tu te souviens comment on rejoint la forêt? J'ai une carte. La forêt est dans un endroit reculé et personne ne va jamais s'occuper des animaux là-bas. Je sais que tu adores nourrir les animaux. Oh, et toi donc? D'ailleurs, en parlant d'animaux... Oh, Odie regarde un conte de fées à la télévision et Garfield dort encore. Oh, mon doux prince, où es-tu donc? Je te cherche partout, mais je ne te trouve pas. Il ne devrait pas tarder à se réveiller d'ailleurs. Oh, quel rêve étrange. Je mangeais des spaghettis au pistou. En général, le mercredi, c'est plutôt des lasagnes au pistou. C'est le jeudi, les spaghettis. Oh, mais quelle heure est-il? Oh non! C'est l'heure de mon émission préférée! Après avoir terrassé l'infâme troll violet, le vaillant prince parcourut le royaume. Merci, Odie. J'ai failli louper l'émission d'Eddie Gourmand. Aujourd'hui, il va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Bienvenue, chers téléspectateurs. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux pâtes à la bolognaise. Regardez. N'est-ce pas fantastique? Oh, la meilleure émission de tous les temps. Enfin, après la mienne. J'ai déjà pris 2 kilos rien qu'en la regardant. Dis, tu préfères regarder des contes de fées plutôt que des pâtes à la bolognaise? Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons contempler ce plat de pâtes pendant encore une heure. Oh, et demain, nous nous intéresserons à la nourriture chinoise. J'en salue d'avance. Du concombre, du canard laqué, un autre plat délicieux. Quand il la vit, le valeureux prince n'a pas ses yeux. C'est débile, les contes de fées. Je suis sûr qu'Eddie Gourmand pourrait raconter de meilleures histoires. Lise et moi, allons nous promener. On reviendra plus tard. Soyez sages, hein. On le sera. Et ne faites pas de bêtises. Promis. Tu veux que je te lise un conte de fées? J'ai des choses plus importantes à faire. La sieste, encore la sieste, et la sieste pendant la sieste. Bon, d'accord. Mais attends une minute. Salade de poulet, un beurre de cacahuète. Oh, sandwich jambon fromage avec de la moutarde. Les paniers de provisions avaient l'air lourds, non? À l'instant, il m'a semblé moins lourd. Si c'était pas moi qui l'avais rempli, j'aurais presque dit qu'il était vide. Ah, celui-là fera l'affaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Il était une fois... Ah ben, je l'ai déjà lu, celui-là. Je rigole. Allons-y. Il était une fois un chat particulièrement beau. Tu veux savoir à quel point il était beau? Aussi beau que ça. C'est qui le chat que tout le monde envie? Moi. C'est moi. C'est qui celui qui a la plus belle vie? Moi. C'est moi. Qui impressionne et qui cartonne? Devinez donc qui? Pas moi. Toujours au top. Qui a la cote? Moi. Pas toi. Moi, moi. Le roi de la sieste. Moi sans conteste. Je vais faire un geste, je vous passe de reste, car je suis modeste. J'ai tant à dire sur moi. Il vivait au château une vie simple, mais heureuse. Parfois, il mangeait. Et parfois, il dormait. Psst. Psst.
Parfois, il mangeait et dormait. Mais pour gagner du temps, ce chat magnifique vivait une vie parfaite, à l'exception de trois problèmes. Le premier était un chien particulièrement bête dont la seule préoccupation était qu'on lui lançât un bâton pour qu'il aille le chercher. C'est ce qu'il y a écrit. Tu penses vraiment que je vais inventer ça? Bien, continuons. Où j'en étais déjà? Ah oui, il demandait toujours qu'on lui lançât un bâton. Très bien, c'est bon, je vais te le lancer. Pour ceux qui ne le savent pas, ceci s'appelle une catapulte. Une catapulte est une arme ancienne inventée par les soldats grecs pour lancer de lourds objets sur leurs ennemis. Mais elle peut être aussi utile pour ça. On se revoit l'année prochaine! Le chien avec la longue langue était un de ses soucis. Son second souci était les deux nièces du prince John. Il est là! Il est là! Oh non! Le pire, c'est que cette couleur ne me va même pas. Mais le dernier souci du chat était lié à son maître, le prince John. Prince John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement. Mais je ne veux épouser aucune des filles présentes au bal royal d'hier soir. Écoutez, je ne suis que le goûteur du château, mais laissez-moi vous rappeler ceci. La loi du royaume dit que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Et vous savez bien qui est le second héritier, sire. Le second héritier était l'archiduc. Et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Très bien, écoutez-moi, peuple. Quand je serai roi, je mettrai en place de nouveaux impôts. Voyons voir. Impôt sur l'inspiration, impôt sur l'expiration, impôt pour ceux qui retiennent leur souffle, impôt pour ceux qui ne respirent pas. Je proteste, c'est pas juste. Impôt pour ceux qui ne trouvent pas ça juste. Impôt sur les chaussures à lacets, sur les chaussures sans lacets. Et si on marche pieds nus? Impôt pour marcher pieds nus. Merci. Très bien. Impôt sur l'impôt. Impôt pour mettre du ketchup sur des sandwichs au fromage. Impôt pour ceux qui changent. Mais il va détruire le royaume. C'est pour ça que vous devez trouver une fiancée au plus vite. Genre demain. Pour sauver le royaume, je suis prêt à épouser la première fille qui passera cette porte. Je devrais peut-être attendre la deuxième. Et cette couleur lui va vraiment pas. Il avait déjà dîné avec presque toutes les jeunes filles du royaume. Il n'en restait plus que trois. On me dit qu'il faut aider les gens. Mais attendez, qu'est-ce que les gens ont fait pour moi? Premier essai. Moi. Et encore moi. Vous parlez souvent de vous, hein? Vous avez raison, Prince John. Et si on parlait un peu de vous? Que pensez-vous de moi? Deuxième essai. Donc, et si vous parliez un peu de vous? J'aimerais bien vous connaître. Troisième essai. C'est fini. Vous imaginez passer votre vie avec quelqu'un qui mange sans arrêt?
C'est à peu près à ce moment-là que le chien pas très futé revint au château avec le bâton. Oh, bonjour! On dirait bien que le prince ne trouvera jamais de fiancée. Le diabolique archiduc va devenir roi. Mauvaise nouvelle pour le royaume, mais je m'en moque un petit peu, car rien de ce qu'il mijote ne me concerne directement. Un pot pour regarder les dessins animés, un pot pour ouvrir les yeux, un pot pour danser avec un ouistiti. Tu vois, rien qui me concerne. Un pot pour les exercices physiques. Vraiment rien qui me concerne. Un pot pour manger des pâtes, de la sauce tomate ou tout ce qui contient du fromage. Vraiment rien du tout, du tout. Mais je reviens... Un pot pour manger des pâtes. Non, ça c'est pas juste. Taxer les choux de Bruxelles ou la nourriture saine. Et pourquoi pas les yaourts, mais pas d'un pot sur les lasagnes. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient déterminés. Oh, attends, c'est l'heure d'une pause sandwich. Je reviens. Et surtout, ne partez pas, hein. Je reviens dans un petit sandwich. John avait besoin de trouver une fiancée et il en avait besoin rapidement. Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Le second héritier était l'archiduc et ce n'était pas quelqu'un de gentil. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Délicieux. Toujours se remplir le ventre avant de commencer un bon livre. Ajoutez 300 g de farine, remuez pendant 5 minutes, puis versez la crème. Mais... Oh, désolé, c'est pas le bon livre. Trop bête, non, ça avait l'air appétissant. Allons-y. Le valeureux chat et son compagnon, le chien un peu moins valeureux, étaient décidés à aider le prince John à se marier pour qu'il devienne roi. Mais le temps était compté, il fallait faire vite. J'aimerais tellement rencontrer une femme qui aime la vie, la beauté et le monde. Et qui m'aime aussi. Parce que si elle m'aimait pas... Oh, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui vous plaise? Tout seul, si seul, ma vie est solitaire, sans joie ni amour, et sans lumière, et sans lumière. Mais je sais qu'un jour, je saurai lui plaire, ma main dans sa main, nous irons vers demain. Heureux, si heureux, nous serons amoureux. La vie nous sera si jolie. Toi, ma douce moitié, ma tendre moitié. Si tu veux bien de moi, moi je ne pense qu'à toi. Il y a fort longtemps, il y en avait bien une. Mais elle n'a pas voulu m'épouser. Vous en avez trouvé une? Oui, gentille et attentionnée. Elle s'appelle Elisabeth. Elle vient du peuple.
Du peuple ? Dit John au goûteur du château. J'attends. C'est bon, Odie, t'as fini? Bon, c'est ainsi que le goûteur du château apprit l'existence d'Elisabeth. Elle vivait dans une chaumière au milieu de la forêt enchantée, entourée d'animaux qu'elle aimait passionnément. Elle nourrissait les gentils écureuils. Elle nourrissait les chiens et les chats. Elle nourrissait les petits oiseaux. Elle nourrissait les souris et les taupes. Et elle allait même jusqu'à nourrir les plus infâmes créatures qu'on rencontre parfois dans la forêt. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. Oh, c'est parce que je les aime. Je vous aime, vous aussi, Prince John. Mais je ne peux pas devenir votre princesse. Pourquoi donc? L'homme que j'épouserai devra me prouver qu'il a un cœur pur. Mais j'ai un cœur. Vous êtes un homme bien, Prince John, mais vous avez vécu une vie trop facile. Vous n'avez jamais eu à prouver de quoi vous étiez vraiment capable. C'est vrai, vous avez raison. Et de quelle manière pourrais-je lui prouver de quoi je suis capable? Je me sens incapable d'y arriver. Bien sûr que vous pouvez. Vous devez retrouver celle que vous aimez et la convaincre de devenir votre femme. Tu crois que je peux? C'est vous le héros de l'histoire, alors foncez. Mon chat, tu as raison. Oui, j'ai toujours raison. Je m'en vais de ce pas la retrouver dans la forêt enchantée. Attends, j'en ai pour une seconde. Et voilà la pizza, mon petit chat. Au fait, merci beaucoup. Pourquoi je me fatigue à dire merci? Je suis un chat, il comprend rien à ce que je lui dis. Bon, on reprend. Où on en était? Ah oui, oui, oui. Le prince admit que le chat avait raison. Et il... si tu voulais manger de la pizza, t'avais qu'à faire comme moi et t'en commander 8. Le prince dit alors... Je vais lui montrer de quoi est capable le prince John. Fort de son amour, le prince guida sa fidèle monture hors du château en direction de la forêt enchantée. Il était prêt à affronter tous les obstacles pour conquérir le cœur de sa belle et la convaincre de l'épouser. T'emballe pas, Odie, je connais la suite de l'histoire. Alors que le chat pensait que ses problèmes étaient sur le point d'être résolus, et voilà le travail. Si Prince John et Elisabeth se marient, l'archiduc ne peut pas devenir roi. Et à moi la belle vie de chat du roi. Le petit chat. Non, non. Trop mignon avec son chat. On le Je rectifie, j'ai encore deux petits problèmes à régler. C'est l'heure de me baigner. Viens, Marie, on va jouer à la grande chat. On va jouer avec toi, petit chat. On va bien le baiser. Cette couleur ne me va pas du tout au teint. Regarde là-bas, un petit chien. À l'heure qu'il est, le prince est parti trouver la fille aux animaux. Si je comprends bien, elle et lui vont se marier. Votre plan pour devenir roi tombe à l'eau. Il n'a aucune chance d'y arriver parce qu'il ne la rejoindra pas. Une seule route mène à la chaumière de cette Elisabeth. Et fais-moi confiance, elle est bien gardée. Très bien gardée. En route pour la forêt enchantée, le prince John était plus que jamais décidé à rejoindre Elisabeth, sa future promise. Mais quelqu'un voulait l'en empêcher. Quelqu'un voulait...
Celui qui voulait pas qu'il ait... attends, je réfléchis. Ah oui, je sais. Au fait, quelle heure il est, là? C'est l'heure d'embêter le facteur. Oh oui, je reviens tout de suite. Oh, Garfield, oh, t'es un coquin. J'ai cru un instant que tu voulais me faire peur, tu sais. Ouais. Comme si tu étais un dragon qui crache du feu. Moi, le chat le plus gentil. Tiens, tiens, un dragon qui crache du feu. Voilà ton courrier. Oh, faire peur au facteur, c'est pas sympa. Mais que voulez-vous? C'est mon boulot. Facture, facture, et encore des factures. Mais un dragon qui crache du feu, c'est ça? Alors que le prince John chevauchait à travers la forêt, toujours aussi déterminé à conquérir le cœur de sa bien-aimée Elisabeth, un homme l'arrêta pour l'avertir du danger qui l'attendait. Un dragon qui crache du feu? Oui, un petit peu plus loin. Vous ne pouvez pas le rater. C'est un dragon, il crache du feu. Je n'abandonnerai pas la femme que j'aime. Je n'ai pas peur d'un dragon qui crache du feu. Mais sans ma monture, comment faire? Mais je ne renoncerai pas. Malgré tout, il continua à suivre sa route et ne vit aucune trace du dragon qui crache du feu dont on lui avait parlé. Un dragon qui crache du feu? N'importe quoi. Baliverne. Un dragon qui crache du feu. Non, je ne dirais pas que le prince John est quelqu'un de valeureux. Et courageux? Non plus. Stupide? Quelque chose comme ça. Et je crois que l'adjectif le plus approprié serait... bien grillé. Je dirais même plus cuit à point. Le prince réussit tant bien que mal à revenir au château. Le moral du peuple baissait autant que les impôts augmentaient. Nouvel impôt sur les adverbes. Nouvel impôt sur le droit de se couper les ongles le mercredi. Nouvel impôt sur toutes les personnes nommées Michael. Le prince John aura 21 ans demain et s'il n'est pas marié, ce monstre deviendra roi. C'est pas possible. Et nouvel impôt sur les chapeaux de paille. Tu as vu la chose stupide que vient de faire le prince John? Ah, je suis désolé, mais on va devoir faire la même chose. C'est ainsi que le valeureux chat et son compagnon un peu moins valeureux prirent la direction de la forêt enchantée. Avant le décollage, merci de vous assurer que vous avez bien attaché votre ceinture de sécurité, merci. Rabattez votre tablette et éteignez tous vos appareils électroniques. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Et j'espère qu'ils ont prévu un plateau repas avec des cacahuètes. Ils atterrirent à l'endroit exact où le prince s'était arrêté. Sois sans crainte, mon ami à poils courts et à longue langue. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un dragon qui crache du feu. Tu peux me faire confiance. Je retourne au château. N'oublie pas de me tenir au courant. Ils étaient là. Le brave chat et le chien stupide, face à face avec le dragon qui crache du feu. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Tu sais ce qui est bon après 8 pizzas? Un sandwich thon mayonnaise?
Il était une fois... Que si vous n'êtes pas marié le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Le second héritier était l'archiduc. Mince! On doit arrêter cet homme! On doit aider le prince John à trouver une fiancée! Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. Si je comprends bien, elle et lui vont se marier. Votre plan pour devenir roi tombe à l'eau. T'inquiète pas, je finirai l'histoire dès que j'aurai englouti ce sandwich au thon. Tiens, je me demande ce qu'il y a à la télé, moi. Oh, c'est bon, dis, j'arrive, j'arrive. Oh, alors, où j'en étais? Ah, oui. Le valeureux chat et le chien qui le suivaient se retrouvèrent face à face avec le terrifiant dragon. Mon cher camarade, il y a des moments où il faut savoir affronter l'ennemi en face et ne pas s'enfuir comme un lâche. Mais là, c'est clairement pas le cas. Ils réussirent à le semer. Pour l'instant. Mais il n'était pas sorti d'affaire. Il n'existe qu'une seule route pour rejoindre la jeune fille. Et le dragon s'y trouve toujours. Mais en plus d'avoir le cœur vaillant, le chat était futé. Et il eut une idée. Je suis d'accord, c'est pas gentil de faire ça. Même à un dragon qui crache du feu. Mais là, on n'a vraiment pas le choix. En route! Tiens, on n'a qu'à en prendre une chacun. Mais je suis ravissante. J'ai rêvé de ce jour pendant des années. Oh, merci du fond du cœur. Dites-moi ce que je peux faire pour que vous me pardonniez de vous avoir fait peur. Hé, il fallait juste faire ressortir la dragonne qui était en toi. Pour te faire pardonner, tu peux nous emmener quelque part. Bien sûr, où ça? Il y a une jeune fille du nom d'Elisabeth qui habite une chaumière dans la forêt enchantée. Je vois, celle qui s'occupe des animaux et qui refuse d'épouser le prince. C'est ainsi qu'ils partirent tous en direction de la forêt enchantée. C'est quand on arrive, 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 c'est quand on arrive. Le valeureux chat en a rapidement. J'en ai plus assez. C'est ainsi qu'il abandonna Drusilla et Minerva dans la forêt pour toujours. Tu as raison, c'est pas vraiment gentil, même de ma part. Enfin, je veux dire, même de la part du chat. Non, il ne fit pas ça. C'est quand on arrive, c'est quand on arrive, c'est quand on arrive, c'est quand on arrive. Avant d'y aller, nous allons ramener ces deux adorables jeunes filles au château. Elles seront en sécurité là-bas. C'est quand on arrive, c'est quand on arrive. C'est mieux. Yeah, yeah.
C'est à ce moment-là que les ennuis commencèrent. Alors qu'ils étaient en chemin, ils croisèrent un des animaux qu'Elisabeth nourrissait. Un horrible petit chat qui s'appelait il s'appelait Malner. Oui, c'est ça, Malner. Malner était le seul animal de la forêt enchantée à ne pas être gentil. Si je raconte à l'archiduc ce que j'ai vu, il m'offrira sûrement une récompense. Il courut jusqu'au château pour répandre la nouvelle. Peut-être bien même qu'il me nommera château le plus mignon du royaume. Ça m'en a tout l'air, oui. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de convaincre Elisabeth d'épouser le prince. Si elle accepte, c'est lui qui deviendra roi et je pourrai dire adieu au trône. Et je n'aurai alors plus aucun moyen de ruiner la population du royaume. Bon, ben, je vous ai aidé. C'est quoi ma récompense? Je vais te la donner, ta récompense. Expédiez-le sur le champ au pôle Nord. Mais qu'est-ce que le pôle Nord? Que quoi? Oh, j'ai dit le pôle Nord? Désolé, j'ai dû me tromper, mais... En fait, voilà ce qu'il a dit. Je vais te la donner, ta récompense. Enfermez-le au cachot. Non, mais pourquoi? J'ai horreur des rapporteurs. Mais je suis fidèle. Je suis mignon et fidèle. Est-ce que je vous ai dit que j'étais adorable? Et pendant que vous y êtes, mettez aussi le prince derrière les barreaux. Je ne veux prendre aucun risque. Et maintenant, je ferai mieux de m'occuper de la jeune fille qu'il veut épouser. C'est ainsi que le garde jeta Malner au cachot et qu'il enferma le prince avec lui. Vous n'avez aucun droit de faire ça. Je suis le prince de ce royaume. Plus à partir de demain. Pendant ce temps, l'archiduc rendit une petite visite à une sorcière qu'il connaissait. J'avais demandé une pomme empoisonnée. Ah, c'est vu et revu, les pommes. Je prépare des spaghettis polonaises. Vous verrez bien l'effet qu'ils font quand le goûteur du château arrivera. Goûteur du château, vous avez de la nourriture à faire goûter, quelque chose de miam miam. Goûtez-moi donc un peu ça. Ça a l'air fabuleusement délicieux. Oh, pas mal. Il faudrait ajouter une pincée d'origan et arroser le tout d'huile d'olive. J'irai même jusqu'à... Est-ce qu'il va se réveiller un jour? Seulement quand il recevra un baiser d'amour pur. Autant dire jamais. Bien, allez-y. Occupez-vous d'elle. Bien sûr. Mais il faut d'abord que je me métamorphose pour qu'elle ne se doute pas. Que je suis en réalité une vilaine sorcière. Balai. C'est ainsi qu'elle se dirigea vers la forêt avec ses spaghettis. Elle ne mit pas longtemps à arriver. Et voilà sa chaumière. Voici pour toi, petite taupe. Et voilà pour toi, ma cocotte. Elle est si gentille, je vais aller lui pondre quelques œufs frais. Moi, je ferais la même chose si je pouvais. Lequel est le bon choix? Lequel est vraiment fait pour moi? Artiste, sportif, intello, dandy, agneau, chameau, quelle est donc ma voix? Qu'il se déclare enfin, je serai à lui pour toujours. Lequel est le bon choix? Lequel? J'ai besoin d'un gars. Bonjour, y a quelqu'un? Buongiorno, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Buongiorno, bellissima. J'ai vu que vous donniez à manger à tous les animaux et je me suis dit que pour une fois, vous voudriez manger vous aussi. Quelle délicate attention. Merci beaucoup.
Non, je peux pas lui dire de ne pas manger les spaghettis empoisonnés. Elle invita le chef à entrer. Ça a l'air vraiment délicieux, mais c'est pas un peu gras? Pourtant, c'est vrai que ça sent très bon. Moi, je me suis décarcassé à les faire mijoter dans mon chaudron. Dans mon four, je veux dire. J'ai passé la journée. Une bouchée pour me faire plaisir. Hein? Allez, d'accord, je vais faire un effort pour vous. Génial. Balai. De la vilaine sorcière se déroula à Du calme, dit. La vilaine sorcière avait accompli sa mission en grande partie parce que le valeureux chat et son ami le chien arrivèrent 2 minutes trop tard. 2 minutes qui auraient pu changer le monde. 2 minutes qui auraient pu rendre 2 personnes heureuses. Mais qui avaient abouti à ça. Odie, ce n'est qu'une histoire. Odie, ce chien ne sait pas comment se termine un conte de fées. Je vais devoir tout lui réexpliquer depuis le début. Mais d'abord, je vais manger un petit morceau. Vous venez avec moi? Le jour de vos 21 ans, c'est le second héritier qui devient roi. Mince, on doit arrêter cet homme. On doit aider le prince John à trouver une fiancée. Les oiseaux et tous les animaux vous adorent, Elisabeth. J'avais demandé une pomme empoisonnée. Je prépare des spaghettis bolognaises. Tu veux que je te raconte la fin de l'histoire? Pourtant, elle se termine bien. C'est pas toujours le cas dans la vie, mais dans les contes de fées, si. C'est pour ça qu'ils sont géniaux. Enfin, si t'as pas envie de l'entendre. Très bien, installe-toi. Comme tu dois t'en douter, tous les animaux de la forêt étaient tristes de ce qui était arrivé à Elisabeth. Toujours été très gentille avec nous. C'est qui ce chat qui vient d'arriver? Je crois que c'est le chat du prince John. J'adore le chat du prince John. Il est si beau, si élégant et tellement fort. Où est-ce qu'il est parti? À l'intérieur de la chaumière. Désolé, j'ai vu qu'il restait des spaghettis bolognaises à l'intérieur. Elles sont quasiment parfaites. Elles manquent juste un peu de basilic. Est-ce qu'il est... Il s'est endormi. Peut-être qu'Elisabeth s'est endormie aussi. Il ronfle vraiment fort, ce mec-là. Alors qu'il cherchait une idée pour le réveiller, c'est la plus jolie des félines qui trouva la solution. On doit l'emmener chez un sorcier. Le problème, c'est qu'on va jamais trouver un sorcier ouvert à cette heure-ci. Vous savez... Je connais un sorcier pas très loin d'ici qui est ouvert 24 heures sur 24. Parfait, allons-y alors. À la hâte, ils traversèrent la forêt en direction de chez Marlin, le seul sorcier qui était ouvert toute la nuit. Il a mangé des spaghettis empoisonnés. Ma femme m'en préparait tout le temps. Vous devez l'aider, monsieur le sorcier, je vous en supplie. Je ne peux rien pour lui. Mais toi, si. Moi? La seule chose qui puisse le réveiller,
Ce serait un PC donné par une personne qu'il aime. Et vu votre air inquiet, je dirais que c'est à vous de vous en charger. Vous voulez dire juste un baiser? C'est-à-dire que moi j'ai trop de barbe. Ce serait pas possible. Allez, vas-y. Allez. Des bisous. Allez, un bisou. Un bisou. Un bisou. Un bisou. Il reste encore un petit peu de spaghetti, là. Oh, ça y est, vous êtes réveillé. Ouais. Oh. Non seulement son baiser avait réveillé le prince, mais ils avaient compris autre chose. C'est comme ça qu'il faut qu'on réveille Elisabeth? Bien sûr! Un baiser de la personne qu'il aime est la seule chose qui pourra la réveiller. Et je sais qui est cette personne. Allez, on y va! Allons chercher le prince John! Mais qu'est-ce que vous faites ici? On est là parce qu'on vient d'apprendre une terrible nouvelle. Oui, le petit oiseau vient de nous apprendre que l'archiduc avait enfermé le prince John dans une tour. Il n'a pas le droit de faire ça. On a besoin du prince pour embrasser Elisabeth et la réveiller. Et puis, il doit l'épouser pour empêcher cet horrible archiduc de devenir roi. Il faut qu'on sorte de là. La pauvre Elisabeth ne peut pas rester comme ça. Comment pourrait-on délivrer le prince du château de l'archiduc? Je sais! En route tout le monde, suivez-moi! C'est ainsi que tous les animaux de la forêt partirent sauver ensemble le prince John et la belle Elisabeth. Alors qu'ils se dirigeaient comme un seul homme vers le château, d'autres animaux qui connaissaient Elisabeth rejoignirent leur groupe. Pendant ce temps-là, au château, l'archiduc n'avait pas attendu pour prendre le pouvoir. Garde, à partir de maintenant, j'exige que vous m'appeliez Votre Majesté et que vous suiviez mes ordres. Est-ce bien clair? Oui, Votre Majesté! Mais vous ne serez roi que demain, et seulement si le prince ne se marie pas. Comment pourrait-il se marier, hein? Je l'ai fait emprisonner dans cette tour. Quant à la fille dont il est amoureux, elle dort pour l'éternité. Je décrète que le trône m'appartient à partir de maintenant. Votre Majesté, une armée se dirige vers le château! Une armée? Une armée de barbares? Ah bah je vais voir! Non! Une armée de pirates? Ah bah je vais voir! Non! Hein? On dirait plutôt une armée d'écureuils, de chiens, de chats et de taupes. Gardez la porte fermée. Nous n'avons rien à craindre de la part d'écureuils, de chats, de chiens et de taupes. Pendant ce temps dans la tour... Ça ne sert à rien. Même si j'arrivais à m'échapper, elle ne voudra pas m'épouser. Mais si elle voudra, elle est amoureuse de vous. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Elle pense que vous êtes encore plus mignon que moi. Et c'est pas peu dire. Vous devez seulement lui montrer que vous êtes fort et brave. Je le suis. Mais comment lui prouver? C'est quoi ce bruit? Le prince n'avait aucune idée de ce qui se passait au château. Et pour être honnête, l'armée d'animaux non plus. Comment est-ce qu'on peut faire pour entrer? La porte est fermée, c'est fichu. Je sais. Je vais creuser un tunnel jusqu'à l'intérieur. Ça va prendre combien de temps? Eh ben, pas plus d'un mois ou deux, en principe. On n'a pas le temps pour ça. Laissez-moi faire. Arrêtez-les! Attrapez ces animaux! Ah!
Suivez-moi. Oh, mes amis ont réussi à infiltrer le château. Vous pensez qu'ils vont venir nous sauver? Considérez-vous sauvés. Pas toi. Tout le château est infesté d'animaux. Il faut qu'on parte d'ici. Je viens de prendre tout l'argent des impôts que j'ai réussi à extorquer au peuple. Et je vais m'enfuir avec. On vient avec vous. On dirait bien que les méchants vont s'enfuir avec l'argent que l'archiduc a volé aux gens du royaume. L'archiduc, son bras droit et la sorcière furent terrifiés par le dragon. Tourne la catapulte pour qu'elle soit face au château. Stop! Vous voulez échapper au dragon? Vite, dans la catapulte. Montez et je vais vous expédier vers la liberté. Merci. Bien installé. Parfait. Non, Eddy, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de notre histoire. Il faut encore que John réveille Elisabeth et la demande en mariage. T'as déjà oublié, toi? À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Le prince John a embrassé Elisabeth. Elle s'est réveillée et a compris qu'il était en train de la sauver. Oh, c'est vous, prince John. Et tous les animaux. Il était prêt à combattre un dragon cracheur de feu pour vous. Prince John... Vous avez un cœur pur et vous ne manquez pas de courage. Me ferez-vous l'immense honneur d'accepter ma demande en mariage? Bien sûr que oui. Nous allons être heureux. Enfin, nous serons nous deux. Avoir trouvé l'âme sœur, ce serait le bonheur. Nous serons heureux, heureux, vraiment très heureux. Là, ça sent vraiment le rocher. Longtemps on est ici. Moi qui suis si mignon, oui je dis non à la prison. J'ai failli être au roi. Et t'es tombé bien bas. Et j'en ai autant pour toi. Eh bien qui finit bien. Encore plus il y a un festin. On va être heureux. Au moins, pour une fois, elles ont choisi une couleur qui me va bien. Et après ça, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tiens, regarde, le prince et la princesse Elisabeth sont rentrés. Enfin, je veux dire, John et Liz. Garfield, c'est toi qui as mangé notre pique-nique? Moi, je pense qu'il est temps qu'on aille faire un petit tour dehors. Alors, t'as aimé mon petit conte de fées? Shh.
Chers téléspectateurs, vous savez qu'il y a de nombreuses manières de préparer les lasagnes. Un des plus grands chefs italiens n'a pas moins de, écoutez bien, 22 000 recettes dans sa collection. Et elles sont toutes délicieuses. Certaines recettes contiennent du bœuf, des haricots, des oignons, du fromage, des crevettes. Et des saucisses. Ne jamais oublier les saucisses. Beaucoup, beaucoup de saucisses. Et bien sûr, beaucoup, beaucoup de saucisses. Non, je n'ai aucune envie de jouer avec toi, Audi. Non, non et non. Non, le concept du mot non est si difficile à comprendre pour ton petit cerveau de chien. Je ne veux pas jouer avec toi, c'est compris? Je ne veux pas jouer avec toi jamais. Non. Jamais, jamais, jamais. Oh, j'oublie un jamais. Jamais. Et c'est comme ça qu'on incorpore la mozzarella. Oh, j'ai raté le passage sur la mozzarella à cause d'Audi. C'est mon passage favori. Moi aussi j'adore quand ça parle de fromage. C'est ce que je préfère. John, le téléphone, ça sonne. Non, Lise, je suis à l'étage en train de dessiner, pourquoi? Il y a une émission qui passe et je pense que tu aimerais la voir. Je n'ai pas le temps pour l'instant, je suis très occupée. En plus, Drusilla et Minerva vont bientôt arriver. L'émission va parler du Zabadou. Le Zabadou? Celui du Franistan? Il n'y a qu'un seul Zabadou, à ce que je sache, et il est au Franistan. Je vais regarder ça tout de suite. Merci, Lise. Ensuite, recouvrez tout en faisant très attention de ne pas abîmer les condiments. Oh, miam miam. Je sais pas pourquoi vous êtes en train de me regarder alors qu'il y a des émissions comme ça à la télévision. Désolé, Garfield, il y a un programme que je dois absolument regarder. Surtout, ne ratez pas notre émission fascinante. Maintenant, je vais passer à l'étude. L'émission, nous allons passer une jolie table. Non! Très bien, Garfield. Je ne voulais pas en arriver là, mais tu m'obliges à utiliser mon arme secrète. Rien ni personne ne m'empêchera de regarder mon émission préférée. Minerva et Drusilla vont arriver d'un moment à l'autre. Minerva et Drusilla? Je suis désolé, mais je dois absolument regarder ce programme. Le Franistan est un petit pays méconnu du grand public. Ces immenses jungles impénétrables abritent des créatures féroces, mystérieuses et dangereuses. Ah, je suis sûr qu'elles font moins peur que Minerva et Drusilla. Si quelqu'un me cherche, je compte passer le reste de ma vie sous le lit. La créature la plus intrigante du pays se nomme le Zabadou. Très peu de gens ont eu l'occasion de l'apercevoir. Et ceux qui l'ont vu ne l'oublieront jamais. On était partis chasser dans la jungle. Oh, on voulait juste faire une petite balade et c'est là qu'on l'a vu. 5 mètres de haut, recouvert de poils. Êtes-vous bien sûr que c'était le Zabadou? Soit c'était lui, soit c'était ma belle-mère au réveil. Ah, on aurait dit qu'il essayait de protéger les animaux de la jungle. J'avais beaucoup trop peur pour ouvrir les yeux. Il ressemblait à un grand monstre tout poilu. Et êtes-vous bien sûr que c'était le Zabadou? Oui, j'en suis sûre. C'était soit lui, soit mon beau-père au réveil. Seule l'équipe de télévision a réussi à filmer le Zabadou. Nous vous montrerons ce document exceptionnel un peu plus tard dans l'émission. Cette histoire a convaincu un homme de faire le voyage jusqu'au Franistan. Dirk Dinitka, le célèbre aventurier australien. Jusqu'à preuve du contraire, aucune créature n'a réussi à lui échapper. Il paraît que les gens ont peur d'une bestiole qui s'appelle le Zabadou. Eh ben moi, je vais m'en charger du Zabadou. Je vais aller dans cette jungle et je rentrerai pas sans avoir attrapé ce Zabadou mort ou vif. Allez jouer avec le chat, il est à l'étage, il a dû sûrement se cacher sous le lit. De quoi j'ai peur, moi? C'est juste deux petites filles. Est-ce que je vais vraiment passer le reste de ma vie sous un lit à cause de deux petites filles? Non, je ne passerai pas le reste de ma vie à fuir deux petites filles. Que peuvent-elles me faire après tout? Laetitia! On va le savoir maintenant. Et si on lui mettait une rame pour que je lui fasse réparer? Laetitia!
parole. Certains disent que le Zabadou protège les animaux de la jungle. Cela ne vous fait pas peur, Dirk Dinkum? Vous êtes sérieux? De quoi les animaux devraient être protégés? Des jumelles! Les animaux ont besoin d'être protégés des jumelles! Oui, vous allez me dire que c'est pas très classe, mais c'était lui ou moi, et je préfère que ce soit lui. Jusqu'à présent, Dirk Dinkum a toujours accompli ses missions avec succès. Est-ce que le célèbre aventurier Dirk Dinkum réussira là où les autres ont échoué? Trouvera-t-il le mystérieux Zabadou? Si je ne peux pas, personne ne le peut, mais je réussirai. Dirk Dinkum n'échoue jamais. Regarde donc le challenge. Qu'est-ce que tu regardes? Juste une petite seconde, là. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, seule une équipe de télévision a réussi à filmer le Zabadou. Nous allons vous montrer ces images juste après une très longue page de publicité. Messieurs, vous avez... C'est à propos d'une mystérieuse créature du Franistan, le Zabadou. Le Zabadou? C'est le monstre que personne n'a jamais attrapé. Oui, en fait, j'ai une très bonne raison de m'intéresser à lui, parce que... oui, eh bien, il y a longtemps, j'avais un ami, mon meilleur ami en fait. Il est parti là-bas pour essayer de photographier le Zabadou. Waouh, c'est dangereux. Je sais bien. Résultat, il n'est jamais revenu. Oh, oh, c'est horrible. Effectivement, son nom était Lyman. Lyman connaissait Audi. Lyman était le maître d'Audi. Venez, je vais préparer le goûter et je vais vous raconter toute cette histoire. Je pensais que t'étais le maître d'Audi. Eh bien maintenant je le suis, je crois. Vous savez, Lyman était mon colocataire, un garçon génial. Il adorait les animaux. On s'est rencontrés quand on était au lycée. Il a disparu pendant quelques temps jusqu'au jour où... Oh, je me demande qui ça peut être. Avec un peu de chance, c'est le livreur de pizza. Lyman! John, content de te voir. Eh bien, mon vieux, t'as pas un peu grandi, toi? John, j'ai besoin d'un endroit où dormir. J'ai froid, j'ai faim et je suis fatigué. Et tu m'accueilles? Bien sûr, Lyman. T'es ici chez toi? Je vois que personne ne me demande mon avis. Tout ce que tu as se trouve dans cette valise? Oui, j'ai aussi mon fidèle compagnon. Qui? Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est un chien. Garfield a mis du temps à accepter qu'il devrait partager son espace vital avec un petit chien. Je crois qu'au final, il s'est fait à l'idée. Lentement, mais sûrement. Garfield a réalisé que ce n'était pas une si mauvaise chose d'avoir un chien à la maison. Regardez-moi ce pauvre petit machin, si joyeux et insouciant, tout simplement dégoûtant. Audi, tu es trop mignon, mange donc un steak. Il s'est avéré que Lyman était un super photographe. Il a pris de belles photos de Garfield. Maintenant, regarde-moi et dis lasagne. Lasagne. Dis donc, c'est normal que sur toutes les photos que tu prends de Garfield, il mange ou il dort? Oublie ce que je viens de te demander. Pas de problème. Un jour, Lyman a décroché un contrat. Il a dû partir loin, très loin, au Franistan, pour essayer de photographier le Zabadou. Tu penses vraiment que le Zabadou existe? Pour le salaire qu'on me donne, je veux bien ramener une photo de la Joconde en train de danser le disco. S'il te plaît, prends soin d'Audi pendant mon absence. Non, je ne peux pas t'emmener avec moi. Tu restes ici avec John et surtout, sois bien sage. John, tu peux pas lui demander de le déposer au chenil? Tiens, je veux bien que tu emmènes mon chapeau porte-bonheur avec toi. Si j'ai de la chance, je le perdrai en route. Mais merci.
C'est ainsi qu'il a quitté la maison et qu'il est parti à l'aéroport. Et c'est la toute dernière fois que j'ai vu l'Aïman de ma vie. On m'a appelé pour me dire qu'il avait disparu. Apparemment, il était parti seul dans la jungle pour photographier le Zabadou et... On n'était pas censé voir des images du Zabadou dans l'émission? C'est une vidéo qu'ils ont réussi à prendre de lui. Allons voir. Une équipe de télévision a passé des semaines à essayer de capturer des images de la mystérieuse créature connue sous le nom de Zabadou. Et voilà comme promis les quelques secondes d'images qu'ils ont réussi à ramener. C'est Zabadou ! J'ai du mal à le voir. Tu penses que l'Aïman a rencontré ce monstre ? Je ne pense pas. Je ne suis même pas sûr que le Zabadou existe. Mais à mon avis, l'Aïman n'a jamais... Je le vois aussi. Je regarde dans le chat. Est-ce que ça ressemble au chapeau que t'as donné à ton ami l'Aïman ? C'est bien le chapeau porte-bonheur que je lui ai donné ? Il y a des rumeurs qui laissent entendre que le Zabadou retiendrait des prisonniers dans son antre secret. Cela ne vous fait pas peur? Ce sont des rumeurs, mais si c'est vrai, je les trouverai et je les libérerai. Contre une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une chance que l'Aïman soit vivant et qu'il soit prisonnier de... ce monstre. Nous revenons tout de suite après une autre longue page de publicité. Ah, ça coupe toujours au mauvais moment, vous ne trouvez pas? La plus intrigante du pays se nomme le Zabadou. Il y a longtemps, j'avais un ami, mon meilleur ami en fait. Tu penses vraiment que le Zabadou existe? Résultat, il n'est jamais revenu. Il y a des rumeurs qui laissent entendre que le Zabadou retiendrait des prisonniers dans son antre secret. Cela ne vous fait pas peur? Ça veut dire qu'il y a une chance que l'Aïman soit vivant et qu'il soit prisonnier de... ce monstre. J'y crois pas. C'est vraiment incroyable. Oh, c'est fou, c'est vraiment incroyable. Vous ne trouvez pas? Comment dire, c'est incroyable. L'Aïman a disparu depuis si longtemps. Je pensais ne plus jamais entendre parler de lui et voilà que cette espèce de monstre au franistan porte mon chapeau. Ouais, et ben il va mieux au monstre qu'à toi. Le chapeau que j'ai offert à l'Aïman. Tu penses que ton ami, il est toujours vivant? Tu penses qu'il est dans la maison du Zabadou? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi faire. John qui sait pas du tout quoi faire. Ah, ça on a l'habitude. Douzilla, Minerva, je vais vous ramener à la maison. J'ai besoin de réfléchir à la situation. D'accord, oncle John. On te comprend. La tension est à son comble. C'est une affaire de vie ou de mort. Dans un moment comme ça, il n'y a qu'une chose à faire. Et bien sûr, certaines personnes aiment mettre des champignons dans les lasagnes. Oh, mais quelle erreur! Il ferait mieux de rajouter de belles saucisses. Bon, au moins j'ai réussi à m'en sortir sans que ces horribles jumelles m'habillent en poupée. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Bon, faites ça rapidement, au moins. Il fait tout bon avec du rouge à lèvres. Il fait les yeux durs. Il est adorable. Garfield, regarde comme t'es mignon. Elles sont embêtantes, mais elles ont pas tort. Même avec une perruque, je suis mignon. Et comment je vais pouvoir faire mes 14 heures de sommeil s'il hurle comme ça toute la nuit? Je sais que tu penses à l'Aïman, mais... tu pourrais baisser un peu le volume? Oui, au nom de toutes les souris, j'allais suggérer la même chose.
J'ai écouté toute cette histoire à propos de Lyman et de ce monstre que vous appelez le... Zabadou. Quoi? Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce nom ridicule. Vous devez partir sauver ce pauvre Lyman. Oh là 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 là. Moi, aller au Franistan et combattre un monstre? Ah ça non, hein, jamais de la vie. Hey, mais pourquoi pas? Je pourrais être un super aventurier comme dans les films. Évidemment, il faut que j'enfile ma tenue d'aventurier. Et voilà, comment vous trouvez ma panoplie? Garfield, t'es pas vraiment habillé là. Enfin, utilisez votre imagination. Oh, super! Appelez-moi Indiana Lasagna, le plus brave des aventuriers. Je pars pour le Franistan secourir Lyman. Bon, et comment je vais y aller, moi, d'ailleurs? Oui, je sais. On va prendre un avion. Attention les yeux. Tu es toujours dans le salon de John. Tu as raison, je devrais en faire une piste de décollage. Bien mieux. Garfield, attends, emmène-nous avec toi. Venez, montez. Je suis le cha-cha-cha. Je danse bien le cha-cha-cha. Mon show, c'est le show du chat. Et quand vient l'heure du casse-croûte, alors là, c'est un rien-doute. Je suis le cha-cha-cha. Chacun cherche son cha-cha-cha. Maman. Et dans ton rêve, ça prend combien de temps? Je connais un raccourci, ça remue un peu, mais on arrivera en un rien de temps. Je danse bien le cha-cha-cha. Mon show, c'est le show du chat. Et quand vient l'heure du casse-croûte, alors là, c'est un rien doute. Je suis le cha-cha-cha. Je crois qu'on est arrivé. Et voilà, la dernière fois que le Zabadou a été aperçu, c'était juste ici. Non. Très bien, on doit trouver le Zabadou maintenant. Je sais pas où il est passé, mais il est plus derrière nous. Garfield, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai encore sauvé la situation. Audi! Audi! Garfield, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a réveillé John. Je crois que c'est le moment de filer. Audi hurlait tellement fort
et j'ai cru entendre un avion décoller. Oh, mais je savais pas que mes rêves étaient si réalistes. Odie, ça n'a pas l'air d'aller. Tu penses toujours à Lyman, c'est ça? Ouais, moi aussi. J'ai bien réfléchi, je pensais qu'il y avait vraiment rien à faire pour lui. Puis, j'ai eu une révélation. S'il y a une chance de sauver Lyman, on doit essayer d'aller le retrouver. Psst, Garfield, tu n'as pas peur. Ça pourrait être dangereux, tu sais. Si j'ai peur. Est-ce que je suis toujours dans mon imagination? Non. Dans ce cas-là, oui, j'ai très peur. J'ai peur. Allez, venez. Liz nous emmène à l'aéroport. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Garfield? À manger. À manger? Tu as besoin d'emmener autant de nourriture au Franistan? Allez. Ce n'est pas pour le Franistan. C'est pour manger sur le chemin de l'aéroport. Aïe! Au revoir! Envoie-nous une carte postale! On prendra bien soin de la maison en votre absence! On va vraiment prendre soin de la maison en leur absence? Pas vraiment. C'est la belle! Oh, les souris! Oh, la belle vie! La forêt où vit le Zabadou se trouve à une centaine de kilomètres de l'aéroport. Mesdames et messieurs, l'avion commence sa descente vers l'aéroport du Franistan. Vérifiez que les tablettes soient rangées et les chats bien réveillés. J'ai demandé à une guide de nous conduire là-bas. Elle est supposée tout savoir sur la forêt et sur le Zabadou. Elle s'appelle Angie. Arrête-toi! Faut que je te parle une seconde! Je ne veux plus travailler pour toi, Dirk. Mais tu m'as jamais dit pourquoi! Parce que je n'aime pas ta manière d'explorer. Tu ne respectes pas les gens, ni les animaux. Arrête avec ces stupides animaux! Tu n'es pas un aventurier, Dirk. Tu ne penses qu'à l'argent. Mais quoi, il y a un problème avec l'argent? Buckley, explique-lui, toi. C'est Buckley. C'est lui qui me guide dans la jungle, maintenant. Oh, enchanté de vous rencontrer, Angie. L'argent est une bonne chose. Sûrement. D'ailleurs, je dois aller travailler. J'ai rendez-vous avec un certain Arbuckle qui voudrait voir le Zabadou. Elle a quoi contre l'argent? J'ai pas. J'aurais peut-être dû la payer. Écoute, je sais pas qui est cet Arbuckle, mais si elle le guide jusqu'au Zabadou, on va les suivre. Être John Arbuckle. Et vous devez être Angie. Tu dois être Garfield et tu dois être Odie. Et moi, je dois avoir faim. Allez, viens, Odie.
créature la plus intrigante du pays se nomme le Zabadou. Tu penses vraiment que le Zabadou existe? Résultat, il n'est jamais revenu. Tu penses que ton ami, il est toujours vivant? Tu penses qu'il est dans la maison du Zabadou? Vous devez partir sauver ce pauvre Lyman. J'ai demandé à une guide de nous conduire là-bas. Elle s'appelle Angie. Alors, il paraît que vous avez une méthode infaillible pour débusquer le Zabadou? Eh bien, je ne suis sûr de rien, mais on peut toujours essayer. Arbuckle, c'est ça? Je suis Dirk Tinkum, le célèbre explorateur. Ah, bonjour. Je vous ai vu à la télé. Ouais, comme tout le monde. Je voulais vous prévenir. Le Zabadou est à moi, c'est bien compris? Évitez de vous mettre en travers de ma route et tout ira bien. Quel culot! Regarde, Odi. John va se mettre à trembler comme un flan, comme d'habitude. Évitez de vous mettre en travers de ma route, Dinkum! Je t'aurais prévenu. Ah, depuis quand John ne se laisse pas faire? À mon avis, il doit vraiment beaucoup tenir à son ami Lyman. Ne faites pas attention à lui. D'accord. Où est garée votre voiture? Elle est à deux pas. C'est un 4x4. Idéal pour la jungle. Nous y voilà. Et maintenant, partons pour la jungle et essayons de trouver le Zabadou au plus vite. Ça me va. Quand est-ce qu'on rentre? Quand est-ce qu'on rentre? J'ai fait comme vous m'avez demandé, Dirk. Vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai dû cacher mon téléphone dans la voiture d'Angie? Il y a une puce dans ton téléphone qui permet de le localiser à distance, n'est-ce pas? Exact. On va pouvoir le suivre avec mon téléphone. Et où qu'ils aillent, on pourra les retrouver. S'il y a quelqu'un qui doit trouver le Zabadou et devenir riche et célèbre, c'est Dirk Tinkum. Vous êtes un génie, Dirk. Il y a un peu plus de 10 000 hectares de jungle. Mais les apparitions du Zabadou ne semblent avoir lieu qu'à un seul et même endroit. Allons-y tout de suite et on verra si ma méthode est efficace pour retrouver cette créature. Ça doit être son téléphone portable. Repose-le où tu l'as trouvé. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que le Zabadou pourrait retenir des gens prisonniers? Encore faudrait-il que le Zabadou existe vraiment. Et si ce qu'on dit est vrai, je ne suis pas sûre que ce soit un monstre. Il ne faut pas nous séparer et ne nous éloignons pas trop de la voiture. Waouh! On est vraiment au milieu de nulle part. Je me demande s'il y a une bonne pizzeria dans le coin. Hé, hey, t'es quel genre d'oiseau, toi? Ah, je suis un merle moqueur du Franistan. Et que font les merles moqueurs du Franistan? Et que font les merles moqueurs du Franistan? Hé, hey, c'est pas mal! Hé, hey, c'est pas mal! J'ai compris, tu peux arrêter. J'ai compris, tu peux arrêter. Je crois que je commence à en avoir assez. Garfield est la créature la plus fantastique de tout l'univers. Tout le monde devrait se prosterner devant lui et lui donner de la nourriture. Je suis désolé, mais on n'a pas le droit de mentir comme ça. Hé, c'est pas mal. J'ai compris, tu peux arrêter. Alors, c'est quoi cette méthode si spéciale pour localiser le Zabadou? Elle est juste là. Odi a un flair hors du commun. Mais comment connaît-il l'odeur du Zabadou? Il ne la connaît pas, mais il se souvient de celle de son premier maître. Le Zabadou pourrait le retenir prisonnier. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a un endroit plus loin où le Zabadou a été vu il y a 2 jours. Vous voyez ces hommes là-bas? Ce sont des braconniers. C'est une zone protégée. La chasse y est interdite. La plupart des espèces ici sont en voie d'extinction.
Elles risquent de disparaître si personne ne les protège. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de mal aux animaux. Alors, c'est ici que le Zabadou apparaît habituellement? C'est ce qu'on dit. Quand les chasseurs sont là, il n'est jamais très... Oh, regardez, c'est incroyable. Le Zabadou. C'était quoi ce bruit? Tu penses que c'était le Zabadou? Mais ne dis pas de bêtises. Le Zabadou n'est qu'une légende. Tout le monde sait bien qu'il n'existe pas. À mon avis, on ne les reverra pas de sitôt. Il s'en va. On pourrait essayer de le suivre jusqu'à sa grotte. C'est là qu'il doit retenir les prisonniers. On dirait qu'il ne s'en prend qu'aux chasseurs qui osent s'aventurer dans la jungle. Je suppose que c'est ce que votre ami Lyman devait faire. Lyman? Chasser? Impossible! Et pourquoi donc? Je connais Lyman et l'amour qu'il porte aux animaux. On a habité ensemble pendant des années, il ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Tu sens quelque chose, Odi? De la pizza? Des saucisses? Lyman? Odi, reviens ici! Oh, je n'aime pas courir pour autre chose que des lasagnes. Mais pour une fois... C'est par là que le Zabadou est parti. Odi! Il est sur la piste du Zabadou. Odi! Il y a un chemin qui mène jusqu'à la vallée. Non seulement il me fait courir, mais en plus, il me fait la peur de ma vie. Sauvé! Odi, non! Ne t'approche pas! Reste loin du Zabadou! Odi qui fait quelque chose de stupide! Quelle surprise! Odi! Odi, ça fait du bien de te retrouver! Et comment le Zabadou connaît le nom d'Odi? Peut-être qu'il regarde mon dessin animé. Il le connaît parce que... C'est Lyman! John, content de te revoir! Eh bien, mon vieux, t'as pas un peu grandi, toi? Tu sais que tu m'as manqué. Bonjour, mademoiselle, heureux de vous rencontrer. Moi aussi, mais vous pourriez m'expliquer ce que vous faites dans ce costume? Je pensais que vous étiez photographe. Plus maintenant, j'ai un nouveau travail. Et c'est quoi? Je suis le Zabadou. Eh bien, je vois que le soleil lui a grillé le cerveau. Allez, plus vite, Buckley! On doit retrouver le Zabadou avant cet imbécile de John Arbuckle! Je fais ce que je peux, mais la route est pleine de bancs, c'est une nid de poule, enfin si on peut appeler ça une route. Alors, d'après la carte de mon téléphone, leur voiture n'est plus qu'à quelques kilomètres. Allez, plus vite! Ah ben ça, c'était un sacré nid de poule, Dirk. Dépêche-toi, on y est presque! Et vous pensez vraiment que quelqu'un habite ici? Allons jeter un coup d'œil. Yeah.
Rayman, tu aurais pu appeler ou au moins écrire pour dire que tu étais encore en vie. Tu vois une cabine téléphonique ici ou un bureau de poste? Je suis désolé, vous avez dû être très inquiet. Si tu savais ce qui s'est passé. Que s'est-il passé? On dirait qu'on va nous raconter quelque chose d'important. Asseyez-vous confortablement et essayez de suivre l'histoire. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'étais venu ici pour prendre le Zabadou en photo. Le groupe avec qui j'étais voulait abandonner, mais tu me connais. Alors, un après-midi, je suis venu ici tout seul. Grosse erreur. Je commençais moi aussi à douter de l'existence du Zabadou. Je pensais que c'était une simple légende, quand soudain, j'en croyais pas mes yeux. Il était là, sous mon nez. Il faisait au moins 2 mètres de haut. J'ai pointé tout doucement mon appareil photo dans sa direction, mais à ce moment-là... Oh non, pourquoi il ne veut pas marcher? Très grosse erreur. J'ai couru comme un fou pour essayer d'échapper au monstre. Comme je ne regardais pas devant moi, je suis tombé d'une falaise. Très très grosse erreur. J'ai eu de la chance, enfin si on peut appeler ça de la chance. Je m'en suis sorti avec une jambe cassée et le Zabadou ne m'a pas attrapé. Et me voilà au milieu de la jungle, blessé, personne pour me secourir. À l'aide! Je vous en prie, au secours! Aidez-moi! C'est alors que le Zabadou m'a finalement retrouvé. Vous deviez être mort de peur? Oh non, je n'avais pas peur. J'étais terrifié, si vous voulez savoir. Tu peux pas abréger, je commence vraiment à avoir faim, moi. Je pensais que j'étais fichu. Mais là, une chose étrange s'est produite. La plus intrigante du pays se nomme le Zabadou. Tu penses vraiment que le Zabadou existe? Résultat, il n'est jamais revenu. Tu penses que ton ami, il est toujours vivant? Vous devez partir sauver ce pauvre Rayman. J'ai demandé à une guide de nous conduire là-bas. Elle s'appelle Angie. Le Zabadou est à moi, c'est bien compris? Andy, non! Ne t'approche pas! John, content de te revoir! Le Zabadou s'est avancé vers moi, et alors, je me suis évanoui. Il m'a pris doucement dans ses bras, et m'a emmené jusqu'à son refuge, là où nous nous trouvons en ce moment. Il m'a fait un bandage pour soigner ma jambe, et au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus étrange, il s'est mis à me parler. J'ai réduit la fracture. Vous avez de la chance d'être tombé sur un ancien médecin. Comment ça, le Zabadou était médecin? Non, c'est un médecin qui était le Zabadou. Il s'appelait Sam, c'était un chirurgien à la retraite. Il était venu en vacances au Franistan pour chasser. Mais quand il a vu ce que les autres chasseurs faisaient subir aux espèces protégées... Il y a une ancienne légende à propos d'une créature qu'on appelle le Zabadou. En fait, je sais pas s'il existe ou pas, mais je me suis dit... Ben pourquoi ne pas se confectionner un costume et se faire passer pour le Zabadou? Je pourrais les effrayer comme ça. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Chaque fois qu'un chasseur entrait en zone protégée, Sam enfilait son costume de Zabadou et... C'est le Zabadou! Je suis désolé, monsieur Zabadou, je reviendrai plus jamais chasser ici! J'ai trouvé l'idée géniale. Et visiblement, les animaux de la jungle aussi. C'était un homme formidable. Je suis resté avec lui pour l'assister. Depuis qu'il nous a quittés, j'ai pris le rôle du Zabadou. Sa maison, son costume, sa mission... C'est formidable, Rayman. C'est une noble tâche que tu accomplis. Hein? Là, tiens, allez, prends ça. Et mouche qui te sert de truc. Bon, je vais voir s'il reste quelque chose à manger dans la voiture d'Angie. Tu veux m'accompagner? Alors viens avec moi. Vous avez beaucoup de courage de protéger toutes ces espèces menacées. Il te va comme un gant, ce costume. Et vous n'avez pas encore vu mon jeu d'acteur. Je passe mon temps à surveiller la jungle. Et dès que je vois un chasseur... Oh,
Tiens, la voiture de Dinkum. C'est dans la boîte, Buckley. J'ai les photos qui prouvent que cette histoire de Zabadou n'est qu'une escroquerie. Si jamais elles sont publiées dans les journaux, cet homme ne pourra plus jamais venir en aide aux animaux. Oui, mais je suis sûr que les médias seront prêts à me racheter ces photos une fortune. Et grâce à ça, on ira chasser des stupides animaux aux quatre coins du monde. Tu calmes, Audi. Lâche-moi, sale cabot. Toi, le char envoie tout de suite mon appareil. Non, ne compte pas trop là-dessus. Faut attraper ce char. Les photos que j'ai prises doivent faire de moi un homme riche. Tu vas me lâcher, oui, sale bête. Qu'est-ce qui se passe, Audi? Il ne doit pas nous échapper. Je suis prêt à tout pour récupérer ces photos, même à risquer ta vie. Vous êtes vraiment sûr? Cette Jeep, c'est celle de Dirk Dinkum. On dirait qu'Audi nous demande de les suivre. Le chat a dû rentrer dans cette caverne. Il ne nous échappera pas. Je l'ai, bon travail. Où est l'appareil photo? C'est fantastique, fantastique. C'est fantastique, fantastique. Je crois que ceci m'appartient, le chat. Il y a toujours un animal stupide pour se mettre en travers de ma route. Il y a toujours un animal stupide pour se mettre en travers de ma route. Tu sais de quoi je raffole le plus? Des merles moqueurs rôtis. Ouf, on n'est pas prêt de le revoir. Eder, les animaux, ils sont plutôt sympas. Silence, Buckley. Un animal, ça ne sert qu'à deux choses. À se fêtir et à se nourrir. Quand le monde entier saura enfin pour le Zabadou, je pense que je reviendrai ici pour capturer quelques-uns de ces... Comment on les appelle? Ces animaux en voie d'extinction. Et tu penses que tu me fais peur avec ce cri ridicule? Costume et viens te mesurer à Dirk Dinkum. Je crois pas qu'il porte de costume, celui-là. Celui qui se déguise en Zabadou, il est derrière toi. Salut, quoi? Dinkum, comment ça va? Zabadou, Zabadou. Au moins, maintenant, on sait pourquoi on l'appelle le Zabadou. Attendez-moi. Zabadou. Dire qu'on croyait que c'était une légende. Et voilà qu'il y a un véritable Zabadou. Il est presque aussi bon acteur que moi. Regarde, Audi, ils ont oublié leur appareil photo. Comme c'est dommage, lui qui rêvait de faire de belles photos du vrai Zabadou. Le Zabadou, il est déjà reparti, sa mission est terminée. Zabadou, Zabadou. Il est un peu comme Vito, le pizzaïolo. Il se montre toujours quand on a vraiment besoin de lui. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Grâce à vous, je vais passer le reste de ma vie à aider les animaux de la jungle. En plus, vous m'avez ramené mon cher Audi. Quoi, tu vas garder Audi ici? Oui, bien sûr, c'est mon chien. Oui, tu as raison. John, tu vas pas le laisser? Enfin, je veux dire... Oh non. Allez, Audi, maintenant dis adieu à ton ami Garfield. Oui, je crois que je ressens la même chose que toi. Console-toi, t'as enfin retrouvé Lyman, ton maître. C'est une bonne chose, tu trouves pas? Alors un de ces jours,
peut-être. Il faut y aller pour être à l'heure à l'aéroport. Je vais juste dire au revoir à Audi. Audi, je sais qu'ils vont te manquer, mais tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux ici. Allez bien, Audi. Allez bien. Merci encore pour ton aide, Angie. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. C'était formidable. Au revoir, Garfield. Bon retour. Bah, Garfield, ne fais pas cette tête-là, voyons. Vous rentrez tous les deux chez vous. Ouais, c'est bien là le problème. On rentre que tous les deux. Je monte dans ma chambre défaire la valise. Salut Garfield, alors c'était comment? Vous avez trouvé Lyman, il va bien? Oui, on a pu trouver Lyman, mais... Oh. Oui, il va bien. Oh, mais c'est génial. Alors pourquoi tu fais cette tête d'enterrement? On dirait que tu viens de perdre ton meilleur ami. Attends, où est Audi? Audi? Je sais pas où il est, Audi. Quand les jours sont courts. Garfield, le dîner est prêt. À ceux qui sont seuls, il faut tendre la main. Partager pour attendre. Et s'aimer, pardonner, être tous ensemble et partager. Et s'aimer, maintenant, ne plus s'inquiéter. Et s'aimer, et s'aimer. Il doit vraiment beaucoup te manquer. À moi aussi, mais il va falloir qu'on s'y fasse. Ça doit être le facteur qui nous rapporte le courrier qu'on a reçu pendant qu'on était en voyage. Lyman! John, content de te voir. C'est moi ou t'as encore grandi? Je crois que t'as besoin de lunettes. Alors ça, c'est toi qui le dis. Qu'est-ce que tu fais ici? T'as oublié une chose importante et je voulais te la porter en personne. Oh! Tiens! Audi! Oh. C'est bon de te revoir. Mais c'est... Oh, non, un instant j'ai cru... Ça n'a pas d'importance. Il va bien falloir que j'accepte de voir la réalité en face, Audi. Tu es parti pour de bon, je te reverrai plus jamais. Est-ce que je suis en train de rêver, là? J'ai vite vu qu'Audi n'était pas heureux, alors je me suis dit... Sa place n'est pas avec moi. C'est vrai que j'étais son maître, mais il est mieux chez toi. Garfield a perdu l'appétit. Garfield ne mange plus. C'est sérieux alors? On dirait que j'ai encore sauvé deux animaux. À ce propos, je dois retourner au Franistan. Tu restes pas? J'aurais vraiment adoré. Tu sais quoi? Un jour, j'embaucherai un Zabadou intérimaire pour me remplacer. Et je resterai plus longtemps. J'en serai enchanté. Tu es le bienvenu. Ça y est, Garfield et Audi sont de nouveau réunis. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. Allez, mon cher chien, va chercher le bâton. Va chercher. Bravo, Audi, c'est bien. Alors, on recommence. Allez, va chercher le bâton. Non, je pense que c'est demain que tout rentrera dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est encore mieux qu'avant. Attention, je l'envoie le plus loin possible cette fois. T'es prêt? Allez, va chercher, Audi. Allez, reprends. Va chercher. We'll be right back.
Je connais quelqu'un qui ferait mieux d'avoir préparé mes lasagnes. Parce que si c'est pas le cas, ça va aller mal. J'ai décidé qu'aujourd'hui allait être une très bonne journée. Salut Garfield. Bon, eh bien adieu, la bonne journée. Oh, tu tombes bien. Ton ami Nermal va passer tout l'été à la maison. J'espère que t'es content. Non. Vraiment tout l'été? Ben oui. Oh. J'avais pensé utiliser cette idée en cas d'extrême urgence. Nermal va s'installer à la maison tout l'été. Si c'est pas une urgence, je veux bien être pendu sous un arbre à lasagne. Nermal, qu'est-ce que tu fais ici en train de manger des biscuits au raisin confit? Hey, t'es pas en train de participer au concours? Le concours? Mais quel concours? Le concours du chat le plus adorablement mignon du monde. T'es sérieux? Et moi, Nermal, j'étais même pas au courant. Et il est où, ce concours? Il a lieu dans le jardin. Hé, hey, fais vite! Si tu te dépêches, tu peux peut-être encore remporter le premier prix. Wouhou! Merci, Garfield! Ça fait une heure que j'ai pas gagné de trophée. Sois content, Nermal. Tu vas pouvoir goûter à la cuisine chinoise. La véritable, authentique cuisine chinoise. Voyons, alors où est passé le ruban adhésif? Oh, je vais le laisser dans le salon. Surtout, tu bouges pas d'où tu es, Nermal, hein? Oh, c'est pas drôle du tout, Garfield. Je vais te lancer ta balle, Odie. Mais attends, je vois que ta médaille s'est encore décrochée de ton collier. Je te la raccroche, mais il faudrait que je la répare dès que j'aurai un moment. Allez, va chercher Odie. T'es lourd, dis donc, t'aurais pas dû manger tous mes gâteaux. Et surtout, t'oublie pas de m'envoyer une carte postale. Combien de fois il va falloir que je le répète? C'est vraiment pas drôle, pas vrai, Odie? Oh, avec tout ça, j'ai bien mérité une petite sieste, moi. Garfield, tu n'as pas vu Odie? Oh, il est sûrement en train de pourchasser sa queue ou de boire l'eau des toilettes. C'est étrange. On dirait qu'il a disparu. Je lui ai lancé la balle il y a quelques minutes et il a couru la chercher dans le jardin. Enfin, il doit pas être bien loin. Ah! Dans le jardin! Oh, pas étonnant que ce carton était si lourd! Stop! Il y a peut-être quelqu'un dans le colis que je veux pas envoyer en Chine! Tout te semble triste ou gris, danser va te changer la vie. Alors reprends donc ma chansonnette. Elle va te vider la tête. Allez, on bouge tous notre corps. Et plus j'attends, plus le monde est en rose. Danser, repas tout en rose. Pas besoin. Pas besoin d'être un bon danseur pour bouger avec bonheur. Entendu, Mademoiselle Bella. Je devrais être à Shanghai pour midi. Très bientôt, le chat doré vous appartiendra. Je devrais avoir aucun mal à trouver ce carton avec Nermal et Odie à l'intérieur. Oh. Ah bah si. Oh. Odie, Nermal, où êtes-vous? Mais où ça ici? Oh. Pas là-dedans. Ici non plus. Là-dedans non plus. Oh, par contre, il y a des biscuits. Oula, oula, là, je ferais mieux de partir. Mesdames et messieurs, veuillez éteindre tous vos appareils électroniques pour le décollage. Non, je peux pas prendre l'avion, moi, j'ai pas de billet, ni de ceinture de sécurité. J'ai même pas un magazine à lire. Ah! 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 Ah!
Buddy! Ah, c'est le dernier, comme par hasard. Mais moi aussi, je suis content de te voir. J'en dirais pas autant pour toi. Tu vas avoir de très gros ennuis, Garfield. Surtout quand les passagers auront récupéré leur carton. Alors, tu m'as encore envoyé au pôle Nord? Mais le pôle Nord, c'est plus assez tendance, voyons, non. J'ai trouvé mieux, on va en Chine. Oh, je préfère ça, c'est... Quoi? En Chine? Garfield! Buddy! Vous êtes où? Hey, les gars, réveillez-vous! On a... Bah, oui, Nermal. Je sais bien que c'est pas Nermal. Tu vois bien que ce chat doré a plus de valeur que lui. C'est un petit joli chat. Nermal, debout là-dedans. Après, on dit que c'est moi qui dors tout le temps. Bon, nous y voilà, Audi. Je nous souhaite la bienvenue en Chine. Hé, hey, les animaux sans laisse sont interdits dans l'aéroport. Vite, Audi, attrape ton Nermal et fichons le camp d'ici. Mais oui, c'est la bonne valise. Je sais ce que je fais quand même. Arrêtez-les, les laissez pas s'échapper. Arrêtez ce chat et ce chien. Excusez-moi, c'est à propos de ces animaux, ce chat et ce chien. Ils sont échappés, j'ai rien pu faire. Cette médaille s'est détachée du collier du chien jaune. Il y a le téléphone du propriétaire dessus. Dis stop à la violence, droit au respect. Ça va comme ça, la belle au bois dormant. Allez, debout là-dedans, le boulet. Oh, finalement, je me suis trompé de valise. Oh non, Audi, l'heure est vraiment grave. On est à des milliers de kilomètres de la maison. On n'a rien à manger. John ne sait même pas où on est. Et on n'a rien à manger du tout. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait rien à manger. Bon, le bon côté, c'est qu'on verra pas Nermal de sitôt. Peut-être qu'on pourrait échanger cette drôle de statue contre des lasagnes. J'espère au moins qu'ils ont des lasagnes dans ce pays. D'autant plus qu'on risque de rester ici pour le restant de nos jours. J'ai commencé à m'impatienter, Voldo. Le voilà, mademoiselle Bella. Je viens tout juste de le voler au musée national. La statue du chat doré a intérêt à se trouver dans cette mallette ou quelqu'un va le payer très cher. Oh, c'est cela que tu appelles les chats dorés? Mais je... Cette chose n'a même pas l'air d'une statue. Aïe! Où est mon chat doré? Aucune idée. Mais pourquoi vouloir une statue quand on possède le seul, l'unique chaton le plus mignon du monde? Quelqu'un a dû se tromper de bagage à l'aéroport et prendre le mien. Je suis très mécontente, Voldo. Et tu sais ce que je fais quand je suis en colère. J'espère que ce n'est pas chanté. Eh bien si. Oh non, je ne vous croyais pas si cruel. Ne me torturez plus! Je suis sûre que ce chat est au courant de quelque chose. Tiam, tiam! Allez jouer avec votre nouvel ami. Je dois m'absenter pendant une heure, Ding Bong. Tu ne devrais pas étudier au lieu de m'aider au restaurant. J'ai déjà terminé mes devoirs, oncle Tang. Je savais que tu aurais besoin d'un coup de main, alors... Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Alors serre toutes les bouches affamées qui pousseront cette porte. Ah, allez-vous-en. Je n'ai pas le droit de nourrir les animaux errants.
Allez, s'il vous plaît, j'aurai des ennuis si mon oncle Tang vous voit ici. Hé, hey, vite, Odie, le numéro de l'apitoiement. Fais-lui tes yeux de cocker. Oh, oh, vous aimez les nouilles chinoises, pas vrai? Vous savez que c'est en Chine qu'on a inventé les pâtes? Ah bon? Je pensais que vous, les Chinois, vous passiez votre temps à manger du riz et à faire du kung-fu. C'est censé être du kung-fu, ça? Quoi? Vous avez encore faim? Je vous aurais bien emmené au restaurant où on sert des dim sum en bas de la rue. Ça, c'est un bon programme. Mais j'ai pas assez, désolé. Wow, ça a l'air d'avoir de la valeur. Vous voulez le vendre? C'est bien ça l'idée? Il y a justement un antiquaire à deux rues d'ici. Peut-être que le vendeur vous en offrira un bon prix. Mais on va pas se préoccuper de Nermal dans un moment pareil, voyons. On va aller vendre ce chat et filer goûter au buffet à volonté de Dim Sum Trunk Chouette. Allez, on te suit. Adoré, vous appartiendra. Mon chat doré. Vous voulez le vendre? C'est bien ça l'idée? Je n'en crois pas, mon œil. Où dites-vous l'avoir trouvé, jeune homme? Ça va vous paraître invraisemblable, mais c'est ce chat et ce chien qui me l'ont donné. Je connais une chanteuse d'opéra complètement excentrique qui paierait cette statue à prix d'or. Je vous en offre 10 000. Oh, 10 000? Wow, je sais pas combien ça fait, mais il y a sûrement de quoi s'offrir plein de dim sum à volonté. Cette statuette doit avoir au moins 2 000 ans. Désolé, elle n'est plus à vendre. Toutes nos excuses pour le dérangement. Mais attendez, revenez. Que dites-vous de 20 000? 30 000? Oh. Non, par pitié, j'ai rien à vous dire. Je vous jure, je suis innocent. Allô, j'écoute. Oui, c'est bien moi, Bella Bellissima. Je sais qu'il y a votre chat doré, mais cette information a un prix. Vous serez richement récompensé. Parlez. Non, j'ai pas vu Garfield ni Audi dans le quartier. Ils ont disparu depuis 24 heures, ce qui correspond à 20 repas. Même Nermal a disparu. Allô? Mon chat et mon chien? Vous les avez vus? Où vous trouvez-vous? Shanghai? C'est où ça? Ah d'accord, en Chine. Ah oui, bien sûr. Bon, mais très bien, je vais venir les chercher, hein. Merci. Hier matin, j'ai récupéré chez vous un colis très lourd en partance pour la Chine. Ah, ça explique tout alors. Je vais chercher mes clés de voiture. En Chine! Qui sait combien de dim sum on aurait pu acheter avec cet argent? Assez pour me nourrir pendant un mois. Plutôt une semaine. Vous savez ce que veut dire mon nom Ding Bang en français? Protège ton pays. Apparemment, cette statue a au moins 2000 ans. C'est un trésor national. Sa place est dans un musée chinois où les gens pourront venir l'admirer. Pas sur les étagères poussiéreuses d'un avide collectionneur d'art. Venez, vous passerez la nuit dans le restaurant de mon oncle. Je suis sûre que je pourrais trouver pour vous un autre bol. Entre dans la voiture. Oh, lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. Vous avez entendu? Portez au sale patte de lui, sinon... Venez, vous lui tiendrez compagnie. Enfin,
Mon chat doré, j'ai attendu tellement d'années, j'ai cherché désespérément. Il est enfin à moi. Il appartient au peuple chinois. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Voyons, ne sois pas ridicule. Ça fait des années que je vends des œuvres d'art volées, ainsi que des pièces de musée. C'est ainsi que j'ai fait fortune. Mais pourquoi vous faut-il précisément celle-là? Parce que celle-ci détient la clé qui mène au trésor des... Oh, Voldo, comment s'appelle ce trésor dont j'oublie toujours le nom? Kong Bao Long. Voilà, ça fait au moins la dixième fois que je vous le rappelle. Si l'on se réfère à des traditions chinoises ancestrales, Kong Bao Long est le gardien du trésor caché. La statue du chat doré mène à la caverne souterraine où Kong Bao Long garde son plus précieux trésor. Le plus grand diamant de tous les temps. Le trésor de Kong Bao Long n'est qu'une légende. Mon oncle me l'a raconté pour m'endormir quand j'étais petit. Il existe vraiment. Et quand je mettrai la main dessus, je serai enfin assez fortuné pour réaliser mon projet le plus grandiose. Voltons le diable. Admirez le grand opéra Bella Bellissima, avec une statue géante à mon effigie et 500 000 places pour que des millions de gens puissent venir écouter mes inoubliables arias. Elle est interdite de chant dans tous les opéras d'Europe. Elle ne laisserait même pas chanter dans un film d'horreur. Voldo, enferme-le au chaud dans la réserve avec l'autre invité. Siam et Tiam, gardez un œil sur eux pendant que je décide de leur sort. Non, ainsi à moi. Avec la chance que j'ai en ce moment, je suis sûr qu'à tous les coups, l'autre invité s'énerve mal. Garfield, qu'est-ce que je disais? Dis, le chat, est-ce que ce joli chaton est un de tes amis? Oh, ami! Il faut arrêter cette folle dingue avant qu'elle ne trouve le trésor de Kang Bao Long. De Kambaki? Mais c'est quoi ce truc? Je t'expliquerai plus tard. Pour le moment, il faut qu'on trouve un moyen d'immobiliser ces deux sentinelles siamoises. Je crois que j'ai une idée. Bon, écoutez, les gars. Alors, à toi de jouer, Odie. C'est toi qui vas les distraire, compris? Je n'aime pas la danse classique. Et en plus, ce chien ne porte pas de tutu. Je compte jusqu'à trois. Un, deux, trois. Bravo, vous avez fait fort. La légende dit que la statue nous conduira directement au trésor. Parfait! As-tu trouvé le plan à l'intérieur? Il n'y a rien dedans. Aucune carte, aucun indice. Regardez mieux! Il doit forcément y être! Ma statue! Rends-la-moi! La porte s'est verrouillée derrière nous! Rendez-moi ma statue! Un peu utile. Cette statue est à moi. En l'air. Par là, les amis, suivez-moi. Par la fenêtre. Mais ça va pas, nous, au 50e étage. Ne les laissez pas s'échapper. Je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. Non, je ferai pas de chute libre du 50e étage. Cette odeur de poubelle pourrie. Mais pourquoi est-ce que tu me regardes, hein? Qu'est-ce que c'est? Un hérisson mort? C'est un durian. En Chine, nous l'appelons le roi des fruits. Beaucoup de gens trouvent que ça a une drôle d'odeur, mais c'est très bon pour la peau. Une drôle d'odeur? C'est bien la première fois qu'un fruit me coupe l'appétit. Bon pour la peau, hein? Je suis sûr que Bella rêve d'un masque de beauté. Tu m'as loupé. Le premier qui atteint cette horrible chanteuse a gagné. Ah, au secours!
Bien joué, les gars! Qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-les! Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je fais un petit film, et puis ensuite je vais le poster sur Internet. Je vous parie que des millions de gens vont le regarder. Je suis la grande chanteuse d'opéra, Bella Bellissima. Écoutez la pureté de ma voix. Je reviens demain matin et on verra ce qu'on fait de cette statue et de vous trois. Bon, bah je vous laisse. Faites de beaux rêves, les amis. Vous avez vu ça? Le clair de lune se reflète dans les yeux de la statue et projette une image. C'est une tête de tigre? Ça veut dire quoi? Il y a aussi des inscriptions. La première moitié de la clé du trésor de Kang Baolong est cachée dans les anciens jardins de Suzhou. Une carte au trésor? Oh, oh! Alors ça, ça me donne faim. Suzhou n'est qu'à 50 km d'ici. La première chose que l'on fera demain sera d'aller chercher cette clé. Dormez bien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont quelque part à Shanghai. Shanghai est la plus grande ville de Chine. Elle compte 23 millions d'habitants. Oh oui, je sais. Comment vais-je réussir à trouver deux chats et un chien dans... Deux chats et un chien impliqués dans une course-poursuite infernale la nuit dernière à Shanghai. À peine déposé sur Internet... Ce sont eux! Ce sont mes deux chats et mon chien! Je suis la grande chanteuse d'opéra, Bella Bellissima! Écoutez la pureté de ma voix! Nous déconseillons aux âmes sensibles et aux personnes cardiaques d'écouter l'extrait qui va suivre. Bella Bellissima? Elle saura peut-être où je peux trouver Garfield, Audi et Nerman. Les jardins de Suzhou ont été créés pour célébrer l'harmonie entre les arts, la nature et l'esprit. Génial! Quand est-ce qu'on mange? Et sinon, elle est où la clé du trésor de machin machin truc là? Ces deux chats, ils vous rappellent personne? Ce sont les mêmes statues que la nôtre. Il y a même un espace libre entre elles. On dirait que la place de notre statue est au milieu. Il ne se passe rien. T'es vraiment observateur. Le chien, tu as ouvert un compartiment secret. Il est écrit que c'est la moitié du médaillon qui sert à ouvrir la caverne du trésor de Kang Baolong. Allez, à table maintenant. L'autre moitié du médaillon est gardée par le vieux maître du temple qui se trouve sur le mont Qinshan. Le mont Qinshan, c'est assez loin d'ici. Loin comme à des milliers de kilomètres? Oui, mais ne t'inquiète pas, on ne va pas y aller en pousse-pousse. On va prendre un moyen de transport plus rapide. Merci pour ton aide, cousin Tsang. C'est un plaisir, cousin Ding Bong. Sois content, Nerman. On va en Chine. Oui, c'est bien moi, Bella Bellissima. Cette statuette doit avoir au moins 2000 ans. Mais pourquoi vous faut-il précisément celle-là? Celle-ci détient la clé qui mène au trésor des Kang Baolong. Siam et Tiam, gardez un œil sur eux pendant que je décide de leur sorte. Cette statue est à moi! Allez-y, nous poursuivre! La première moitié de la clé du trésor de Kang Baolong est cachée dans les anciens jardins de Suzhou.
Il est écrit que c'est la moitié du médaillon qui sert à ouvrir la caverne du trésor de Kang Baolong. L'autre moitié du médaillon est gardée par le vieux maître du temple qui se trouve sur le mont Kinshan. C'est loin. D'après la carte, il faut continuer tout droit vers le nord pour se rendre au mont Kinshan. Attendez-moi ici, je vais explorer les environs. Préviens-moi si tu trouves un restaurant qui sert des pizzas. Je meurs de faim. J'en mangerai même si elles sont aux anchois. On devrait pas rester ici. Cette forêt est peuplée d'horribles créatures venimeuses. Ah, qu'est-ce que... Oh, mais ça... Oh, mais une... Mais qu'est-ce que... Sur quelle affreuse créature je suis encore tombée. Oh, mais c'est toi. T'aurais préféré que ce soit une araignée géante? Peut-être bien. Elle m'aurait pas envoyée en Chine, elle. Mais qu'est-ce qui arrive vers nous? Je sais pas, mais je parie que c'est pas un truc sympa. Ce ne sont que des pandas. Mais si jamais ils nous mangent tout cru. Du calme, casse-pied. Les pandas ne mangent que des feuilles de bambou. Mince alors, quelle est cette étrange créature? J'imagine que ce doit être une sorte de singe. Les singes sont plus malins que ça. Oh, mais c'est que ça chatouille. Oh, ce petit Gus est bien mignon, hein, dit. Vous êtes des copains, lui? Oui, je m'appelle Garfield et lui, c'est Odie. Et moi, c'est Nermal, le chat le plus mignon du monde entier. Et vous allez où comme ça, les petits gars? Dans un temple secret tenu par un vieillard en haut de la montagne. Oh, vous voulez dire la vieille ruine tout là-haut, gardée par le vieux bonhomme tout zinzin? Eh ben, bonne chance, vous allez mettre des jours pour y arriver. En fait, nous allons dans cette direction. Si vous voulez, on vous emmène, vous serez en sécurité avec nous. Je peux monter sur votre dos? Je suis léger comme une plume. Alors, vous vous êtes fait de nouveaux amis? Voldo, je te tiens pour responsable de leur fuite avec ma statue. Je ne te félicite pas. Si je ne trouve pas ces diamants, je ne pourrai jamais construire l'opéra Bella Bellissima. Et pense aux millions de personnes qui seront privées de ma superbe voix d'opéra. Quelle chance alors, ils sont. Pardon? Non, rien du tout. Je peux chanter tellement haut que le son de ma voix peut briser ces verres en cristal. Je vais consulter le système GPS que j'ai placé dans le collier des chasse-tiroirs. Excusez-moi. Je cherche la chanteuse d'opéra Bella Bellissima. Vous êtes un amoureux de musique classique et vous venez me demander un autographe? Non. Bon alors sortez! Je cherche deux chats et un chien. L'un des chats est un peu enrobé et il... Je vous en prie, appelez-moi Bella. Ces chats et ces chiens, ils comptent beaucoup pour vous. Vous ne voudriez pas qu'il leur arrive quelque chose de grave, non? Non, jamais. Surtout Garfield et Odie. Et ils ne voudraient pas qu'il vous arrive quelque chose de grave non plus, n'est-ce pas? Sûrement pas. Ils dépendent de moi pour tout. Eh bien, je vais vous dire exactement où ils sont. Veuillez entrer dans cette pièce. Je vous en prie. D'accord. C'est très gentil à vous. C'est pas drôle du tout. Ouvrez-moi cette porte. Il nous sera très utile si le chat et le chien refusent de coopérer. J'ai repéré le signal provenant des colliers des Siamois. Il se dirige vers le mont Kinshan. C'est le temple de la carte. Il ne nous reste plus qu'à trouver le vieux maître. Et un restaurant convenable pour manger. Il doit bien y avoir quand même un bon restaurant chinois dans ce quartier. Bon courage. Est-ce qu'on peut rester un peu plus longtemps? Non, on doit y aller. Au revoir. Au revoir. Merci. Et merci. Allez, plus que quelques mètres. Quand est-ce qu'on mange? Regardez, il y a un petit bonhomme assis sur un pilier.
Excusez-moi, monsieur. Nous sommes à la recherche de l'autre moitié de ce médaillon. Tu perds ton temps. Soit il fait la sieste, soit il est empaillé. Comment avez-vous fait ça? Un véritable guerrier kung-fu ne réfléchit pas. Il agit simplement en se référant à ce qu'il voit dans son esprit. Ce vieux maître est complètement yo-yo. C'est vraiment impressionnant, mais on souhaite vous parler sérieusement. Savez-vous, nous pouvons trouver l'autre moitié de ce médaillon. Eh bien, il se trouve que je l'ai. Et je vous le remettrai, mais à une seule condition. Que vous appreniez avec moi le kung-fu, tous les quatre. Les quatre? Est-ce que vous êtes prêts pour votre première leçon? Oui, je suppose. Est-il possible de manger quelque chose avant? Mes amis et moi sommes affamés. D'abord, il faut apprendre le kung-fu. Ensuite, vous mangerez. Vous avez déjà entendu parler de la technique de revanche poulet aigre doux du buffet volanté? C'est normal, je viens de l'inventer. Il est temps d'abattre les foudres de l'orchidée déloyale. Ah, Odie, à présent, tu peux tester ta technique personnelle de la langue maudite. Le kung-fu peut se diviser en 5 techniques de combat. Inspiré par certains animaux de l'astrologie chinoise, tels que le serpent ou encore le tigre. Si vous maîtrisez ces 5 techniques, vous pourrez accomplir tout ce que vous désirez. Comme, par exemple, briser ce tronc d'arbre. À toi. Non, Odie, tu es censé briser ce tronc d'arbre, pas le rapporter. À ton tour, le petit chat. Tu peux le faire, Nermal. Ça doit pas être plus dur que de gagner le trophée du petit chat le plus adorable 3 ans de suite. Ma griffe, je me suis cassé une griffe. Vous avez une idée du temps que ça prend pour repousser? Ding Bang, montre-leur la voie de la réussite. Félicitations. Ça ne m'impressionne pas. Bien joué. Je pense que tu as mérité un dîner pour tous les quatre. Alors là, ça m'impressionne. Odie, si jamais on rentre un jour, il faut qu'on vérifie si on livre ça dans notre quartier. Merci pour ce dîner et aussi pour vos cours. Combien de temps faudra-t-il attendre pour être digne de recevoir l'autre moitié du médaillon? Patience, Ding Bang, un peu de patience. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mon oncle va s'inquiéter si je ne rentre pas bientôt à Shanghai. J'aimerais une deuxième ration, s'il vous plaît. Tu t'es déjà resservi? Alors je veux la suite de la deuxième ration. La fin du gros chat orange n'est pas encore assouvie. Je m'en vais chercher un supplément de riz pour lui. Oh, pendant que vous y êtes, apportez-moi un petit dessert. Quelque chose de très chocolaté. Oh, vous avez entendu ça? Entrez dans le temple, vite! Encore vous deux? Les gars, ça a été un plaisir de tous vous connaître. Enfin, sauve-toi, Nermal. Ces pandas savent faire du kung-fu? Non, c'est sérieux? Ça va pas la tête, des pandas en train de faire du kung-fu, c'est complètement ridicule.
ma binette. Tout le plaisir est pour nous, Ouistiti. Maître, où étiez-vous passé pendant ce temps? Je regardais et j'observais. Ah oui? Merci du coup de main. Vous êtes tous super nuls en kung-fu. Pour être franc, vous êtes sûrement les pires élèves que j'ai jamais eus en 78 ans d'enseignement du kung-fu. En revanche, vous savez vous faire de vrais amis. Les pandas n'accordent pas leur confiance si facilement. C'est pourquoi vous méritez de recevoir la seconde moitié du médaillon. Merci. C'est un grand honneur. Nous détenons maintenant la clé complète du trésor de Kang Baolong. Oui. Et surtout, ne regardez pas droit dans l'œil du dragon Kang Baolong. Il a vaincu des armées entières. Vous avez compris? Oui. Merci du conseil. On n'a toujours pas trouvé ce que représente la tête de tigre. La solution se trouve juste devant vos yeux. Mais bien sûr, le tigre n'est pas seulement un signe astrologique en Chine. C'est aussi le nom d'une vallée. La vallée du tigre. C'est ici. Nous, on est là, et le trésor de Kang Baolong se trouve près de Pékin, sur la grande muraille de Chine. Hein? Pékin? Je sais pas où c'est, mais ça a pas l'air d'être dans le coin. Alors grimpe là-haut, Captain. Merci au vieux maître. Encore merci, papy, à la prochaine. Bonne chance, innocents étrangers. Et comme tous ceux qui se sont longtemps mis en quête du trésor de Kang Baolong, vous en aurez besoin. Sois content, Normal. On va en Chine. Oui, c'est bien moi, Bella Bellissima. Cette statuette doit avoir au moins 2000 ans. Celle-ci détient la clé qui mène au trésor de Kang Baolong. Siam et Tiam, gardez un œil sur eux pendant que je décide de leur sort. Cette statue est à moi. Allez-y, nous poursuivre. La première moitié de la clé du trésor de Kang Baolong est cachée dans les anciens jardins de Suzhou. Il est écrit que c'est la moitié du médaillon qui sert à ouvrir la caverne du trésor de Kang Baolong. L'autre moitié du médaillon est gardée par le vieux maître du temple qui se trouve sur le mont Qinshan. Et je vous le remettrai, mais à une seule condition. Que vous appreniez avec moi le kung-fu. La clé complète du trésor de Kang Baolong. Je vous en supplie. Si vous savez où ils sont partis, vous devez me le dire. Oh, mes chers petits chats, mon chien me manque tellement. Oh, je vous en prie, dites-moi où je peux les trouver. Bon, Voldo, je crois que ce vieux bouc est complètement toqué. Allons-nous-en d'ici. Il doit bien y avoir un moyen de savoir où ils sont allés. Mes adorables petits trésors, vous êtes les seuls sur lesquels maman peut vraiment compter. À quoi ils servent? Ils n'ont aucune idée de l'endroit où sont le garçon et les animaux. Détrompe-toi, Voldo. Ils sont sur une piste. Oh, mes bébés. Merci de nous avoir emmenés. De rien, bonne journée. Admirez, mes amis. Voici la grande muraille de Chine. D'après la carte, la caverne secrète ne doit plus être très loin. Je crois que le chien jaune a trouvé quelque chose. C'est rien qu'un vieil os de dinosaure. Tu parles d'un trésor? Regardez, là-bas. Ça doit être l'entrée de la caverne. Ça s'ouvre pas. Oh,
C'est vrai, la clé. Non, ne faites pas ça. Remontez-moi, pitié. John. Garfield. Audi. Normal. Aidez-moi à trouver le trésor ou vous ne reverrez plus jamais votre maître. Cet homme est votre maître? Oui, enfin, il nous nourrit. Nous vous aiderons à trouver le trésor. Vous avez ma parole. Donc, qu'est-ce qu'on cherche au juste? Le trésor de Kang Baolong. Selon nos légendes ancestrales, c'est un dragon féroce qui garde un trésor caché gigantesque. Oh, t'en fais pas, Audi. Les dragons, ça n'existe pas. Dépêchez-vous, je veux mon trésor et vite. À part ce dragon-là, bien sûr. Ne restez pas flanqué là. Entrez à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Bon, je me lance. Je vous suis. Regardez ce rayon de lumière. Je passerais pas au travers si j'étais vous. Oups, je l'avais pas vu. Merci. Bande d'ignobles, sac à puce. À votre tour. Et vous parlez au vainqueur du trophée du chat le plus mignon du monde. Laisse tomber, Nermal. Allez, Audi, on avance. Vous ne croyez pas qu'on devrait attendre avant d'avancer? Ils sont presque de l'autre côté, Froustor. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un rébus. Je sais pas trop. Il y a différents animaux représentés sur cette roue. Un bœuf, un mouton, un rat. Il faut probablement trouver la bonne combinaison pour ouvrir cette porte. Ignoble sac à puce. Pour qui elle se prend pour me parler comme ça? Attention, Nermal. Ce sol n'est peut-être pas assez solide pour supporter ton ego. Laisse-moi juste m'admirer pour voir si je suis toujours aussi beau. Oh. Oh. Qui a interrompu le rayon de lumière? Nermal, mais qu'est-ce que t'as fait? Je me suis juste regardé dans un miroir. Il faut qu'on arrive à ouvrir cette porte au plus vite. Dépêchez-vous, moi, rien. Mademoiselle Bella, allez. Il doit forcément y avoir une logique. Rat, cochon. Et cochon? C'est mon signe astrologique chinois. Bien sûr. Ce sont les 12 signes du zodiaque chinois. Il suffit juste de les remettre dans l'ordre. C'est le moment de se dépêcher un peu, Ding Bang. Le lapin va entre le tigre et le dragon. Et le bœuf alors? Avant le... Non, après le rat. Où est cet imbécile quand on a besoin de lui? Le dernier est le tigre. On a résolu l'énigme. C'est pas le moment de... J'ai pas peur. La porte s'ouvre. Elle s'ouvre sur le trésor de Kang Baolong. C'est pas un vrai dragon, Audi. Ce n'est qu'une grande statue. Écartez-vous! Place! J'ai un trésor à dérober! Avec tout ça, je vais pouvoir m'offrir des centaines d'opéras bella bellissima. Et je chanterai des arias dans chacun d'entre eux. Ce serait vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Avec cette fortune, on achèterait des montagnes de lasagne. Ces pièces et ces lingots d'or ont des milliers d'années. Leur place est au musée. Ces statues ont l'air tellement réelles. On dirait de vrais soldats qu'on aurait transformés en statues de pierre. Regardez l'œil du dragon. C'est le légendaire diamant de Kang Baolong. Le diamant, il me le faut absolument. C'est le plus gigantesque diamant de tous les temps. Le diamant.
Amenez-la! Tout de suite, Benia! Ramène-moi ce grand vase à frein! Il me faut ce diamant! Oui! Il me l'a fait! Mais surtout, ne regardez pas droit dans l'œil du dragon! Il a vaincu des armées entières! Oui, c'est ce que le vieux maître nous a dit. Ces statues, c'est une armée! Vous croyez que c'était des chasseurs de trésors avant? Fermez tous les yeux, maintenant! Oh, c'est tellement beau! Je peux pas fermer les yeux! Ah, tu peux pas les fermer! Bah, tiens, moi, je vais te les fermer! Mais je ne peux pas détacher mon regard de ces diamants! Mademoiselle Bella, vous n'avez rien? Mademoiselle Bella! On est tous vivants? Mais enfin, ça se discute. La voûte va s'effondrer d'une minute à l'autre! Fichons le camp! Oh, je suis coincé! Aidez-moi! Je pense que le moment est bien choisi pour... Fichez le camp d'ici! Venez, il est encore temps! Mais je ne peux pas laisser Mademoiselle Bella toute seule! Les portes se sont refermées à jamais. Je sais que c'est idiot, mais je ne peux pas m'empêcher d'être désolé pour elle. Et aussi pour ces deux siamois, aussi méchants soient-ils. C'est vrai, personne ne mérite de finir comme ça. Comment je pourrais vous remercier d'avoir pris soin de mes animaux? Un repas serait un bon début. Audi, t'as quelque chose de coincé dans la gorge? Oh. Des pièces appartenant au trésor? Il y en a assez pour un repas. Elles sont inestimables. C'est un trésor national. Leur place est dans un musée chinois où mon peuple pourra les admirer. Bien dit. T'aurais pas avalé un ou deux lingots par hasard? C'est vrai que les dim sums, c'est délicieux, mais j'espère ne plus jamais revivre une telle aventure. Ah, Ding Bang va me manquer. C'est un gentil garçon. Et on s'est bien amusé en Chine. Mais Audi a raison. En dehors des fois où on a essayé de nous zigouiller, bien sûr. Et j'attends toujours tes excuses. Comment, mes excuses? Mais pourquoi? Pour m'avoir envoyé en Chine par la poste, m'avoir abandonné à l'aéroport, m'avoir jeté d'un immeuble de 50 étages, pour m'avoir... Normal. Si ça peut t'aider à te sentir mieux, je te présente mes excuses. C'est vrai? Bah dis donc, c'est la première fois que tu t'excuses, ça rattrape presque toute cette mésaventure. Je suis content que tu le prennes comme ça, Nermal. Fais-moi penser quand on arrive à destination. J'ai un paquet à faire envoyer par avion au pôle Nord. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu vous dire. Vous sentez faux ! Que viens-tu de dire à propos de ma façon de chanter? Je te jure que tu vas le regretter, vol.